y a certes le ciel, le soleil, la mer, mais aussi des champs de canne à sucre, des sentiers hors du temps, des jardins magnifiques. On est bien ici, non? On est très bien. Nous sommes en France, mais à 6900 km de Paris. C'est pas tout près, ça fait quelques heures d'avion. Hein. 7 heures minimum, en tout cas. On est sur une île. On est sur une île. Qui a été découverte par Christophe Colomb. Non, pas vraiment. Non? Il y avait des Amérindiens bien avant Christophe Colomb. Est-ce que cette île, elle a des surnoms? Elle a des surnoms, elle avait surtout un nom, Guanacaera. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette île? Ben, c'est ma terre. Comme on dit chez nous, c'est là que mon nombril est enterré. Bon, allez, on le dit. Voilà. Où est-ce qu'on est? Martinica. Qu'est-ce qu'il faut absolument découvrir à Fort-de-France? Déjà, il y a le bord de mer, là. C'est quand même une baie qui est classée. Hein. Il y a également la bibliothèque Chercher, l'espace Aimé Césaire avec le théâtre. Au François, il y a la Fondation Clément qui possède une très très belle collection d'art contemporain. C'est un endroit que vous aimez bien? C'est un très bel endroit et puis les jardins sont magnifiques également. Qu'est-ce qui caractérise selon vous l'âme martiniquaise? Le fait de pouvoir se relever à chaque fois. Il y a des cyclones, il y a des tremblements de terre, il y a un tas de choses qui peuvent nous tomber sur la tête. Et je crois que c'est pas un peuple qui pleure à longueur de journée mais qui se dit « Allez, on y va, on repart ». Bonjour Jocelyne Béroa. Bonsoir Valérie. Merci de nous accueillir chez vous en Martinique, dans ce département français d'outre-mer. Vous êtes la diva du zouk, alors évidemment dans cette émission, on va revenir sur votre carrière en solo, mais aussi au sein du groupe Kassav. Mais avant, on va aller visiter un haut lieu de la culture à Fort-de-France, un lieu que vous avez tenu à nous présenter. Tout à fait. Tropic Atrium. Alors allez. Je tiens à vous dire, Martinique compte en well. Voilà. Ça veut dire bienvenue en Martinique. Voilà. Ouais. Tropic Atrium, c'est la scène nationale de Martinique. Un temple de la danse, du cinéma, de la musique, du théâtre, des arts plastiques. Un lieu incontournable à Fort-de-France qui, en plus d'une programmation exigeante, mise sur l'accompagnement des artistes, l'éveil culturel des écoliers, des étudiants et la formation. Bonjour Marielle Césaire. Bonjour. Bonjour. On est ravis de pouvoir contempler cette nouvelle exposition qui est consacrée à l'artiste Victor Anisset. C'est l'un des plus grands plasticiens de la Martinique. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est sans doute l'un des plus grands témoins de l'histoire contemporaine donc, de l'art à la Martinique. C'est aussi donc, un céramiste, un peintre, celui qui continue de chercher, c'est celui qui a transmis, c'est un passeur. C'est effectivement, on peut dire, une icône vivante. Il aura bientôt 83 ans, très très iconique de sa forme d'expression. Je sais que c'est un explorateur, il expérimente en permanence pour parfaire sa technique. Où est-ce qu'il va la chercher, la matière, cette sève dont il parle tant? Partout, alors en lisant Césaire, en lisant Glissant, en lisant Fanon, et puis des techniques qu'il cherche, il continue de chercher en Europe, en Afrique, en Amérique, et jusqu'aux vitraux, puisque nous avons ici donc une reproduction des vitraux de la cathédrale de Saint-Pierre qu'il a réalisée. Cette exposition a aussi une dimension profondément contemporaine puisque les peintures que nous avons ici datent du confinement. Donc nous avons un artiste qui n'a pas arrêté de créer, qui continue de créer. Jocelyne, vous, votre sève intérieure, votre sève artistique, vous la nourrissez comment? Mon travail, c'est plus un travail intérieur, mais un travail de réflexion. Donc, j'essaie de lire, j'écoute beaucoup les gens. J'aime, par exemple, quand il y a une expo comme ça, quand j'entends justement tout ce qui se dit sur Victor Anisset, ben, je me dis « Waouh !» Il y a quelqu'un que vous avez envie de nous présenter aujourd'hui? Oui, il est juste là-bas derrière le piano. Venez. J'ai eu la chance de partager la scène avec Maher Borois, qui est aujourd'hui compositeur associé à Tropic Atrium et qui me fait la grande joie de m'accompagner cet après-midi. Circa chapé, souple à l'époque là d'ailleurs, pouvant pas venir. Choublé, sacré témoin.
qu'est-ce qu'elle dit, Jocelyne, cette chanson? Elle dit « Si tu t'en vas, referme la porte ». C'est ouais. Juste ça. Est-ce que Tropic Atrium, c'est un lieu de rencontre? Bien sûr, c'est un lieu de rencontre où on peut créer, composer, partager la musique. C'était l'occasion pour moi, d'ailleurs, il y a quelques semaines, de présenter un spectacle qui s'appelle Insula, hommage à Frantz Fanon, qui mêle la musique antillaise, caribéenne, plus largement avec la musique du Maghreb. Jocelyne, avant de parler de votre carrière multi-récompensée, carrière rayonnante, dites-nous d'où vient le mot zouk. Ah, le mot zouk vient des surprises parties. Quand on disait on va à un zouk, on allait à une surprise partie, à un bal. Enfin bon, ça, c'est devenu le mot utilisé globalement pour parler de soirées dansantes. Voilà. Vos premiers pas dans le groupe Kassav remontent à 1980. Vous êtes alors choriste. Mm-hmm. Vous intégrez pleinement la formation en 1983. Vous êtes à l'époque, et vous restez d'ailleurs la seule femme. Est-ce que ça a été difficile de vous imposer? Quand je suis arrivée, je ne me suis pas posé ces questions-là. J'avais envie d'être là. Je n'étais pas une femme qui venait, ni qui faisait la belle pour être acceptée, ni qui... Bon, bref, je faisais partie d'un groupe. Alors, eux, c'est par la suite, en réfléchissant, je me suis dit, mais j'ai dû les emmerder. Parce que je suis assez têtue. Quand je veux quelque chose, je me bats pour l'avoir jusqu'au bout. C'était simplement parce que je m'investissais, et c'est ce qu'ils voulaient. Avec le groupe Kassav, vous avez fait le tour de la planète. Quels étaient les messages au début avec ce zouk enflammé? Et est-ce que ces messages ont évolué au fil du temps? Alors, la raison de la création de Kassav, c'est simplement parce que notre musique était ignorée du reste du monde. On avait une langue qui était belle, qui était dénigrée, même par les nôtres, qui n'était pas connue ni acceptée en France, puisqu'en France, on nous demandait tout le temps pourquoi vous ne chantez pas en français. En fait, et ce qui est une belle langue, et c'est une langue qui parle de nous. Donc on voulait justement dire au reste du monde, on est tout petit, mais on est là. Les premiers albums de Kassav parlaient un petit peu de l'esclavage, les nègres marrons, les choses comme ça. Ensuite, on est parti sur des thèmes beaucoup plus larges, mais on a toujours, à un moment ou un autre, parlé de nous, de notre culture, de nos racines. Voilà, qui nous sommes. Comment est-ce que vous expliquez votre longévité? L'an passé, vous avez soufflé vos 40 bougies avec le groupe Kassav et vous continuez de remplir les stades, les salles de concert. Ah, et comment expliquer ça? Je vais reprendre une phrase de Jacob. Le casting était bon. En fait, Jacob dit toujours le casting était bon. C'est vrai. On a appris à se supporter l'un l'autre. On n'a pas de mon caractère. On est tous des extravagants. Hein, je veux vous dire, on a tous nos petites tares comme tout être humain, ouais. N'est-ce pas? Mais il y a un truc qu'on a. C'est qu'on respecte l'autre. Et c'est ça qui a fait que ça dure 40 ans. On parle de votre carrière en solo. Premier disque seul en 1986 sur lequel on peut entendre le tube collé, serré. Vous devenez alors la première chanteuse caribéenne disque d'or en France. Est-ce que ça a été un tournant? C'est un véritable tournant, en tout cas pour la musique antillaise, parce que si Sylvie Vartan et compagnie existaient déjà en France, aux Antilles, il n'y avait pas véritablement de grosses stars féminines. C'est à partir de Kassav qu'on a vu émerger les femmes, à tel point que les gens qui étaient habitués justement à attendre les albums des hommes, finalement, attendaient les albums féminins. Vous avez derrière vous maintenant 4 décennies de scène. Quel est votre plus grand souvenir de concert? Les 40 ans, c'était splendide. Je veux dire, à l'Arena, c'est toujours une émotion extrêmement forte de voir l'amour du public et comment ils nous le rendent. Il y a eu le Stade de France, c'était encore un truc extraordinaire, quoi, impensable. Et on a fait également des concerts pour des enfants, qui étaient des concerts mais absolument fabuleux, parce qu'ils ont des sourires jusque-là, ils envahissent la scène quelquefois.
C'est fabuleux. Moi, je veux dire, je n'ai que de bons souvenirs de scène, sauf peut-être un ou deux. Ouais. C'est pas la peine de faire voir les grands peines pour moi. Je sais pas voir qui fait millionnaire comme moi. Mais quand il y a quelqu'un tous les mois. Un mot de cinéma. Le 7e art vous a plusieurs fois fait les yeux doux. Quel rôle vous avez préféré? Alors, le rôle peut-être qui me sied le mieux, c'est celui dans Siméon, où je ressemblais à Jocelyne, puisque je jouais le rôle de Jocelyne. Voilà. Mais je dois dire que le tout dernier film qui s'appelle Zépon, je suis vraiment rentrée dans le personnage. Et ça, je suis assez contente de ma performance. Et c'est pile lorsque son fils Chabin revient que Vieux-Auré apparaît comme ça, comme si de rien n'était. Ah. Ce serait pas bon qu'il aille jouer là-bas. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et que vous rêvez d'accomplir? Mon petit doigt m'a dit que vous travaillez actuellement à l'écriture d'un livre. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ah, oui. Oui, on peut en savoir un peu plus. J'espère terminer l'écriture de ce livre bientôt. C'était au départ l'histoire de Cassav que je voulais raconter. Alors, c'est un gros travail parce que c'est un travail qui m'oblige à me livrer à peut-être... par moments presque vexer mes copains, parce que je les connais, ils peuvent être vexés par certaines phrases, mais il faut qu'ils sachent qu'il n'y a que de l'amour dedans. Quoi. Tout ce qu'il y a dedans, c'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est une expérience, et je souhaite à tout le monde de vivre ce que moi j'ai vécu. Voilà. On va à présent faire connaissance avec l'un des graffeurs martiniquais les plus reconnus, Xan. Son portrait de Spike Lee sur un mur près de Fort-de-France a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Xan n'aime pas les surfaces lisses. Il joue avec les imperfections de la brique, le béton nu, les racines, les branchages des arbres. À l'arrivée des visages singuliers qui communiquent avec la nature. Xan, la rue, la plage, ce sont des terrains de jeu immenses. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Les murs un peu atypiques. Les murs, on va dire, qui racontent presque déjà une histoire. Enfin, certains murs nous appellent, on aime dire ça entre nous, parfois entre peintres. Ça peut être un arbre justement bien placé ou bien un élément du décor qui est peut-être pas trop dans le contexte en fait. Et du coup, je vais m'en servir dans mon œuvre. L'une de vos spécificités en tout cas, c'est de vous adapter à ce que la nature vous offre. Vous n'élaguez jamais les arbres. Ouais, non. Au contraire, des fois, ça m'arrive de tresser peut-être deux branches. Ouais, j'aime bien en fait incorporer surtout la végétation dans ce que je fais, mais c'est aussi contextualiser l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle fait moins stache dans l'espace public et en même temps, ça se fusionne plus. Il y a moins de frontières entre l'œuvre et un peu, pas la réalité, mais voilà, des éléments concrets du décor. Est-ce que vous êtes passé de l'ombre de la rue à la lumière des galeries? Je suis un peu en transition, c'est-à-dire que j'ai déjà quand même exposé, mais c'est surtout des expos collectives. Après, là, on prépare quelque chose justement avec mon collectif, NPL Madapen. Et du coup, on essaie de... Enfin, moi, j'aime bien ne pas perdre le côté mur dans la rue, parce que l'énergie vient de là, en fait. On va à présent retrouver une jeune artiste, Stacy, qui nous attend sur cette magnifique plage des Salines en compagnie de son guitariste pour nous parler de son nouvel album. Ton indifférence me blesse si toi ça ne t'atteint pas. Je me dis à quoi bon essayer, ne serait-ce que d'oublier ta voix. Stacy, votre tout premier album est sorti dans la torpeur de l'été. C'est un album qui s'intitule « Sous ma plume ». Sous votre plume, qu'est-ce qu'il y a? Dans cet album, c'est une sorte de journal intime, on va dire. Voilà, on peut retrouver tout ce qui s'est un petit peu passé dans ma vie. Quoi. Comme je dis souvent, si on veut me connaître, on n'a qu'à écouter cet album. Donc c'est un petit peu mes amours, mes déceptions, un petit peu ma culture. On retrouve un petit peu de tout dans cet album. En 2020, vous avez représenté la France aux BT Awards dans la catégorie meilleure nouvelle artiste internationale. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que sont les BT Awards et ce que représente cette nomination pour vous? Alors les BT Awards, c'est une cérémonie pour les artistes afro,
américains, des artistes noirs simplement. Et du coup, ils ont étendu un petit peu leur nomination à l'Europe, à la France, voilà. Et la France m'a sélectionnée cette année-là. Et pour moi, ça a été quelque chose d'assez impressionnant. C'est toujours impressionnant, j'y crois toujours pas d'ailleurs. Et surtout en tant que chanteuse de zouk et surtout avec un titre en créole, parce que c'est quand même le titre Frisson qui a été nominé. C'est un titre 100% créole, donc forcément les Américains ne comprennent pas trop, parce que eux, c'est plutôt l'anglais, quoi. Et du coup, je suis très très fière d'avoir pu porter le zouk et porter le créole jusqu'aux États-Unis. Vous mélangez le créole et le français, c'est important? C'est important pour moi, oui. Après, j'essaye de mettre beaucoup beaucoup de créole dans un peu tous mes titres, parce qu'au final, je trouve que ça se perd un petit peu. Je chante aussi un petit peu en espagnol, un petit peu en anglais. Voilà, j'essaie de mélanger un petit peu tout ce que je connais. Stacy, on va clôturer cette émission avec vous en musique. Évidemment, je ne vous cache pas qu'on n'a aucune envie de repartir. Alors, je compte sur vous pour un dernier frisson. On se quitte en images et en musique. À très vite. Pas qu'on les a pu pas comparer. Mais bien, on a déjà rematché. Est-ce qu'à son petit chané a qu'à monter? Hey. En cassant tout douce, la peau, front contre front. En session, aucun moment d'impression. Quand il chante le bec, chaleur, qu'un moment frisson.